Oui, bah, oui, Notam tout niaise, hein. C'était pas du temps perdu. Avançons dans cette salle bien mystérieuse. Je souhaite un monde pour les Pokémon et eux seuls. Séparés des humains, ils retrouveraient leur force originelle. Le moment décisif est arrivé, je suis prêt. Je me suis remontré ma répugnance à baisser mes amis Pokémon. Toi non plus, tu ne recueilleras plus devant rien? Allez, viens me le prouver. Ah, je vais te péter la gueule! Tu as parcouru tout ce chemin pour livrer notre ultime bataille. Et pourtant, Zekrom ne réagit pas. Tu n'es donc pas un héros? Quelle déception. Tu me plaisais bien pour toi. Et avant d'avoir croisé le fer à plusieurs reprises, je sentais que tu prenais grand soin des Pokémon. Mais je m'illusionnais. La sœur qui prétend se comprendre en s'affrontant, c'est infâme. Il ne te reste plus qu'une alternative, m'affronter et te faire anéantir. Vous disparaissez de ma vue, on va admirer ce monde nouveau, les Pokémon vivront enfin libres. À moi, allez, Shirabu! On va se battre contre ce Pokémon légendaire, là? J'ai l'impression qu'il y a un problème sur l'émulateur quand même, entre l'écran du haut et l'écran du bas. Il a sa queue magique. Mais pourquoi il détruit tout? Quoi, je veux juste le battre? Enfin, juste le battre... Ça n'a pas été évident, mais... Le galet noir remue dans votre sac. Le galet noir, je veux dire, c'est Chrome, il... Qu'est-ce qui se passe? Le galet noir, il réagit! L'aura enveloppant le galet noir se transforme en une puissante vague d'énergie, qui maintenant se libère. La boule magique! C'est Chrome! Avec sa queue bleue magique! Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ligue Pokémon? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là là! Tant de ressorts devant de situation! C'est fou! C'est fou! C'est fou, Afelou! Et chez la Mésécrome, il ne formerait qu'un jadis, un seul unique Pokémon, les deux faces absolument antithétiques d'un même être. Mais chez Mésécrome, qui attendait la venue d'un nouveau héros. Enfin, toi aussi, toi le héros à ton tour. Laisse-moi te traduire ce qu'il te dit. Je souhaite me battre avec toi, tant de me rallier à ta cause. C'est de vérifier par lui-même si tu es en quête idéale. Moi aussi, je suis curieux de savoir ce que tu veux exactement. Capture le temps avec toi, mais fais-en ton ami. Très bien. J'ai une Master Ball. Ça va être le moment de l'utiliser. Parce que Notam tout niaise. Allez. Vous allez voir, un des combats les plus difficiles pour capturer un Pokémon. Zou! Allez, vous voulez qu'on l'appelle comment? Tiens, allez-y, et profitez-en, c'est le dernier Pokémon qu'on va pouvoir renommer. Allez-y. Ah, une Master Ball, ouais, bah j'en ai qu'une. Hein. Dragon électrique, Dragon électrique, putain, en plus il me fallait un Pokémon électrique. Un Pokémon mythique, il possède dans sa queue un énorme générateur qui produit de l'électricité. Allez, comment on l'appelle, Zekrom? Allez, allez-y. Allez, 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 allez. Faites-vous plaisir, soyez heureux. Zebulon. Zebulon? Pourquoi Zebulon? On peut l'appeler Zebulon, oui, c'est pas impossible. Il me faudra un truc pour ma gorge, là, parce que Jean-Marie Le Pen, ça me détruit ma gorge. Ah tiens, j'ai un bonbon coca, là. Master Boulas. Oh, Zebulon, je pense que c'est plus safe.
Hein. Quand même. Petit bonbon coca. Sans opinion. Allez. Zébulon. Pourquoi coco? Tu me diras pourquoi Zébulon. Allez. Parce que t'es arrivé au moment ninja. Par contre, c'est chiant, il sera pas dans mon équipe. Ah oui! Enlever XD. C'est bon, on a remplacé XD par Zébulon. Bien, Zekrom a reconnu ta valeur et ta soif idéale. Il a décidé de te prêter sa force pour faire de toi un nouveau héros. A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Te battre alors que ton équipe est blessée n'aura aucun sens. Je vois l'avenir, je vaincrai. C'est le moment. Le combat, c'est le combat de toute une vie. Peut-être le dernier combat Pokémon de cette année 2017. C'est pas contre n'importe qui. Ah, et puis il le sort direct. Ah mais direct. Ah mais... Ah pourquoi lui? Et pourquoi il a deux niveaux de plus que moi? Logiquement, Ah mais attends, Dracosouffle. Merde, Dracosouffle. Dracosouffle. Attendez, Dracosouffle. Ah non, c'est Dracosouffle. Flamme 3, voilà. Ah, j'aurais peut-être dû faire flamme électrique, là, non? Ou peut-être que comme moi, je suis malin... Voilà, moi, je suis malin. Donc moi, je tape dans sa faiblesse. Ok, Zébulon. Zébulon, écoute-moi. Tu lui fais une tranche. Et après, tu le déglingues. On s'en fout, ça me fait quoi? C'est de la merde. Là, tu coupes en deux. Et là, mon gars, Dracosouffle. Ah, quoi? Non! Non! Oh non! Zébulon! Non! Bad. C'est pas grave. On a Zarbos qui va gérer. Ouais. Zarbos. Zarbos, lui, il est. Les Pokémon légendaires, il s'en fait tous les petits déj. Nombreux. Criticlic. Ah, alors attention. Nous sommes sur... en face de Pokémon God Tier. On est obligé de jouer les counters. Ah. Et pas les Counter Strike, non, les Pokémon Counter, les Pokémon Contre. Et nous avons, bien sûr, le Counter de Criticlic, ce Pokémon mystérieux. Et du coup, on va faire un lance-flamme, sauf que, malheureusement, nous ne commençons pas. Donc c'est la merde. Mais le lance-flamme va passer, le one-shotage, peut-être. Oh oui, car c'est super efficace. C'est super efficace. Par contre, faudrait mieux qu'on change de Pokémon. Un Mega Pagos. Et bah là, il aurait été bien, par exemple, Zébulon. Je pense. Mega Pagos, ça fait genre poisson des mers. Tortue de mer. C'est une tortue. Mega Pagos, c'est une tortue. Voilà. Ouais, parce que bon, la SVT, c'est un peu ma grande passion. Hein. 7 au bac. 9 au bac. Ah, il a la chance d'avoir la fermeté. Heureusement, nous avons Veganus. Veganus, Pokémon, qui aura mis le temps de faire sa place dans la team, mais qui finalement, je la trouve lors de ce duel. Hein, c'est quand même beau. Ah, d'attendre. Enfin, il m'a servi aussi pour Moyade, hein, donc pour deux Pokémon. Donc, merci Veganus. Hein, comme quoi, on peut être bon sans manger de tout. Ah, à qui en déplaise. Hein. Sors Bouboule. Alors là, Sors Bouboule, ça sort les vrais Pokémon. Hein.
Là on sort, ça sort les pépites de cette génération. Hein. Vraiment Sorboboul, c'est vraiment le symbole de cette génération de Pokémon. Hein. Vraiment, hein. C'est vraiment c'est ça quoi. Hein. C'est quel Pokémon tu retiens dans cette quatrième génération? C'est Sorboboul. Cinquième génération. C'est Sorboboul. Sorboboul. Plus gros symbole. Un Zoroark. Je sais pas ce que c'est. Et quand on sait pas ce que c'est, on sort le chandelier. Chandelier! Je sais pas combien il reste de Pokémon. Ah ouais! Ah non! Je vois pas qui c'est. On va faire une malédiction avant de crever. Ah non, crève pas s'il te plaît. Oh parfait. Il manque plus qu'à Dario Machoche. Il l'a peut-être en plus. Ok, la malédiction est passée. Hop. Du coup on va pouvoir sortir le... Je sais pas du tout ce que c'est ce Pokémon. Je sais pas ce que c'est cette faiblesse. Du coup on va faire un surf. Dans le loot. Et ça suffira. C'est un ténèbre, d'accord. Donc on aurait pu sortir le psy. Un Aéroptérix. Non. 69, hey, ça va être bien. On va terminer la ligue avec un Pokémon niveau 69. Il ne reste plus qu'un seul ami. Ah. Bah tu peux lui dire bye bye. Je pense que c'était bye bye. En fait j'ai trop farmé quoi. Limite. Je m'attendais à ce que les Pokémon soient plus puissants la ligue mais... Mais non. Ah bah tu viens de la Team Plasma. C'est fini pour moi, le rêve d'un Pokémon débris sa chamée. Le Roche, ouais, ça oui. La chaîne moi avons perdu. Ton idéal était plus fort que nous. C'est Chrome et Richam, ils ont chacun choisi leur héros. Telle chose était donc possible. Champions vivant à la même époque, l'un en quête de l'idéal, l'autre de réalité. Pour avoir raison tous les deux, je ne comprends plus. Des systèmes de pensée différents ne s'annuleraient pas. Au contraire, elles se complètent, itinérant une alchimie nouvelle. Ce serait donc cela l'équation qui permettrait de changer le monde. Bah oui, merci pour le GG. Oui, n'est-ce pas? Quoi, tu Saline ainsi, le nom de la famille, celui d'Armandia? Tu me fais honte, fils Saline? Vas-y, on faut le déglinguer. J'accule Karen, la quête obsédante de la réalité, et je lui ai permis de ressusciter les Pokémon légendaires d'un jour. Pour que ma Team Plasma possède son immense pouvoir, celui d'infliger la terreur aux masses et de manipuler ses bouseux. De ce point de vue, je n'ai pas de reproche à formuler. Mais pauvre débile, il a fallu que tu te laisses monter la tête par ces histoires de rival. L'héros reconnu par un Pokémon légendaire au principe opposé au tien, le duel décisif. Mais tu te fais battre par un misérable dresseur d'un du tout, incapable. C'est parti, je n'avais certainement même pas prévu qu'un dresseur miteux dans ton genre serait choisi par un Pokémon légendaire. Mais ça ne change rien, mon objectif reste le même. Je ne le pourrai pas face à l'adversité. Le monde sera à moi, tous ces dégénérés à l'esprit faible ne savent rien. Et pour faire danser ces pantins, N restera le roi de la Team Plasma. Il n'y a que toi qui venais la vérité, mes arbres va du pied. Il est temps de mettre définitivement fin à ta carrière de parasite. Puis là, il sort une AK. La domination du monde. Je crois que le but de la Team Plasma était la libération des Pokémon. Fallait bien avoir un prétexte aussi fantaisiste soit-il pour monter cette organisation. Qui sont assez demeurés pour lâcher des créatures aussi utiles et serviables que les Pokémon. Alors qu'ils étendent nos possibilités de manière inouïe. C'est pas naturel que tous les Pokémon... mes choix de droit. Tout ça pour ça. Je fiche de ton avis. Un Pokémon même révéré à l'égal d'un dieu ne reste qu'un Pokémon. Il peut avoir choisi ce parti, c'est la belle affaire. Vous n'êtes rien devant moi. Venez, je veux savoir le désespoir qui se peindra sur vos visages meurtris. Smarties. Vous ne pouvez rien contre moi, je suis inarrêtable. Ah merde. Ah. Ah. Non. Non, je suis pas prêt. Non. Ah.
Ah ouais. Ah d'accord. Recombat. Psycho de boule. Psycho de boule. Déglingue-le. C'est putain de bombé. Ah non, ça fait pas de dégâts. Ah non. Ah non, c'est un toxique. Ah non. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Éclaircroc. Non. Il fait abri. Non. 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 Ah, le toxique. Ah. Pas deux fois. Il fera pas deux fois. Déglingue-le. Fous-lui sa tôle. C'est pas mal. Ok. Il va faire abri. Il va faire abri. C'est le moment de sortir une guérison. C'est le moment de sortir la guérison. Nous ne sommes plus empoisonnés. Il va faire abri. Et ça échoue. Ça échoue, par contre, ça me fait chier que ça échoue. Du coup, on va faire un drac au souffle. Ah putain, il fait plus abri. Bah non, il va faire toxique, je suis con. Oh, je réfléchis pas. Ah bah non, il fait ballon. Bon, ok. Ah oui, d'accord, ça va descendre mes stats en plus. Ah, là, il utilise une guérison. Ah là 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 là. Terrible, terrible. Ça va être le combat de l'infini, quoi. Et ce n'est que le premier Pokémon. Bah, ça fait assez de dégâts, j'ai l'impression, Dracosouffle, en fait. Oh, il est paralysé. Oh, il est paralysé. Il est paralysé. Dracosouffle. Par contre, j'ai peur qu'il recrame une guérison derrière. Enfin, là, il va cramer peut-être une guérison. Et non. Ok, tout va bien. 1-0. 1-0 pour la team du Challenger. Tout est encore possible. Un frison. Ok. Là, faut sortir le... Là, faut sortir le lourd, là. Frison, frison, le taureau. Là, là, faut... Cette combat de... Combat de mastoc. Là, faut sortir le vampipoint, là. C'est qui le papa? C'est qui le... Oh, le coup critique en plus. Le coup critique qui sort au meilleur des moments. C'est beau. C'est beau chez vous. Restez accrochés. Un trioxyde. Un trioxyde. Le trioxyde de carbone. Attention, hein, ça va être assez brutal. Qu'est-ce qu'on va envoyer contre un trioxyde? Ça me fait peur parce que trioxyde, c'est un Pokémon, on sait pas son type. Et je pense que... Je pense que le chandelier peut avoir son coup à jouer. Chandelier, c'est un peu le Pokémon sacrifice, si vous voulez. C'est, il est là, on a l'impression qu'il va pas servir à grand-chose. Mais la malédiction. Ah! Donc ce truc à surf. Ce truc-là à surf. Ok. Ok, donc là c'est un peu la merde. C'est un dragon en plus ce truc. J'ai raté. C'était chandelier, on a peu dit, oui. Bien joué chandelier. Ah si c'est un dragon, je suis dans la mer, j'ai rien contre les dragons. Réfléchissons. Peut-être essayer de l'empoisonner, à la limite. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ont des guérisons et il y a des gens qui n'en ont pas. J'en ai, donc autant s'en servir. Ouais, ouais, je sais, mais le problème de Zébulon, c'est que... Il a plus beaucoup de vie. Et c'est pour ça que je vais le soigner, d'ailleurs.
Je profite qu'il a raté son attaque, comme ça, pas d'embrouille. Je pense que Dracochoc, ça peut paralyser, non? C'est pas grave, on va forcer, on va faire le forcing. Putain, il veut pas passer de poison. Alors, est-ce que je vais le buter? Est-ce qu'il va me buter? Je l'ai buté, c'est parfait. C'est parfait. Un crapustule. Ah bah le blanc, le crapustule. Oh! Oh! Veganus. Ça, c'est encore ton combat. Veganus, tu auras été utile peut-être contre un Pokémon de chaque dresseur. Là c'est le moment de balancer le canon graine. Oh, le one-shot. Le one-shotage de Veganus. Ah là là, là. Ah, ça c'est fou. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Au massacre. Qu'est-ce que c'est, au massacre? C'est un Pokémon haut. Je crois. Je me souviens, parce que je me suis posé la question, puis je me suis dit, il y a haut dedans. Donc, c'est haut. Ok. Peut-être. Peut-être le deuxième one-shotage de Veganus. Pas du tout. Ce n'est pas du tout un Pokémon haut. Veganus, merci d'avoir participé. Oh, tente la morsure, tente la morsure. Perdu. C'est perdu. Ah, je sais pas ce que c'est comme type ce Pokémon. Ça ressemble à rien du tout. Fais un petit surf pour voir. On sait pas ce que c'est. Ah, c'est un haut électrique. D'accord. Un Scalproi. Scalproi. Et ça serait peut-être le moment de terminer sur le starter. Le starter. Cochonou. Cochonou qui aura eu des hauts et des bas dans cette aventure. Mais qui va peut-être nous permettre de gagner ce combat grâce à ce lance-flamme. Oui. C'est le one-shotage. Le one-shotage de Cochonou. Qui était le dernier Pokémon de Gutis. Oh, de mes calculs, le monde appartient à ma chaîne grosse merde. C'est le décès de Gutis. Comment? Je suis Relative Blast Man, mais moi, je suis parfait, parfait. Je suis le nouveau maître de ce monde. Et ne crois-tu toujours que les humains et les Pokémon doivent être séparés? N n'existait que pour me servir les Pokémon légendaires sur un plateau d'argent. Parce que je ne pouvais pas devenir héros. Il est ma créature, il ne faisait pas de cœur. Mais vraiment que vos mots puissent atteindre cette triste abomination. Goya, écoutez, cette baderne est une véritable corvée. C'est lui qui est dépourvu de cœur, assurément. T'as bien raison, c'est lui qui est à plaindre. N, tu dois penser à plein de choses. En ce moment, et sois sûr d'un truc, petit gars. T'as pas cherché la réalité parce que t'étais manipulé par Gutis. C'était ta volonté qui t'a fait faire tout ça. Sinon, t'aurais jamais pu rencontrer un Pokémon légendaire. Mais je n'ai pas l'étoffe d'un héros. Ah bon? Alors tu vas faire quoi avec ton Pokémon légendaire? C'est important pourtant. Ah! Et pourtant, nous nous sommes battus au nom de nos principes, n'est-ce pas? Mais pourquoi? N, c'est pas parce qu'on se comprend pas qu'on doit forcément se contredire. Dans un combat, il n'y a pas une partie qui aurait raison dès le départ. Pensez-y. Pensez-y. J'aimerais te parler. En fait, t'es un bon gars. J'ai toujours été amoureux de toi. Allons nous embrasser derrière ce château. Ce château. Nous sommes rencontrés pour la première fois à Arabelle. Ce que m'a dit ton Pokémon a été un choc. Il m'a dit qu'il t'appréciait. Qu'il voulait rester avec toi. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est magnifique.
Je ne pouvais pas le comprendre, parce que j'étais trop con. Un Pokémon qui aime les humains? Mais ce serait pas de la Pokémophilie? J'en avais jamais encore rencontré. Ma conviction a commencé à vaciller. Et puis, en plus... Et plus je continuais ma route, plus je rencontrais des gens qui comprenaient aider les Pokémon. C'est pour cela que j'ai ressenti le besoin d'éprouver mes croyances, en t'affrontant. Je voulais affronter quelqu'un qui aurait la trempe d'un héros, et qui voulait me la tremper. Je ne comprenais que mes Pokémon. Non, c'est faux. Je ne peux même pas dire que je les comprenais. Je les ressentais, je les sentais en moi. Je n'avais aucune chance de te vaincre. Toi qui as rencontré tant de Pokémon, toi qui as eu tant de folles aventures avec tes Pokémon, et qui as tant d'amis. Le maître m'a pardonné, mais je dois décider par moi-même de ce que je dois faire maintenant. Je dois jeter mes Pokéballs dans le vide. Et je tourne dans le vide. Pardon. Smarties. Trouve-toi un rêve et poursuis ton idéal. Et ton rêve deviendra réalité, c'est certain. Je te dis, quand même, adieu. Mais c'est fini! Je l'ai fini! C'est la fin! Suivez vos rêves! Suivez vos rêves! Ayez des rêves! Suivez votre idéal! Vous allez réussir dans la vie! Bonne année! Joyeux Noël! Des bisous! Formidable! Ah là là! C'est beau! C'est beau!